Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version Emerald, les gars, c'est parti pour une petite session, on va, je pense, là je vais traquer les Pokémon du Pokédex. Bon, l'ordinateur qui commence à déjà rendre la vie, hein, je pense que ça a été trop lui demander de faire du gaming, du OBS Studio, même si ça tourne encore comme il se doit. Je pense que c'est qu'une question de démarrer. J'avais fait les combats. Donc, où est-ce qu'on est arrêté? J'avais fait les combats. J'étais arrêté à Musiole en capture de Pokémon. J'étais arrêté à Musiole. Musiole, il a 1% d'apparition. On va pas le faire. C'est relou. Orchid, Rafflesia, Jolifleur, Diogé, Roselia, on peut pas trouver. On va vérifier, mais je crois que je peux pas trouver. J'avais déjà vérifié. Zone inconnue, ouais. Gouloupti, j'ai déjà. Carvanagé, Welmer. Bon, alors Welmer, ça doit être un peu partout. Là où il y a de l'eau. Ouais, ah, je peux en trouver. On va utiliser la super canne, je dois l'avoir. J'ai pas pris la méga canne, mais il n'y a pas de Pokémon qui m'intéresse avec la méga canne. Je dois l'avoir. Ça, Welmer. Canne. Super canne, vas-y, parfait, la super canne. On va aller pêcher ce Welmer tout de suite. Ouais, donc du coup, ouais, là je suis un peu dans une phase gaming. Pour ceux que ça intéresserait les reviews que je vais faire sur Skyward et sur One Piece, là je devrais bientôt faire une session lecture. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là je continue d'écrire mes scénarios. Là j'étais en train de faire un brainstorming sur comment ça s'appelle? Sur toutes mes œuvres. Ok, donc avec ta super canne, j'ai un Magikarp qui rapetisse. Donc ça avance, les projets avancent. J'aime bien le rythme de travail que j'ai trouvé. Et maintenant, il faut que je trouve un rythme de vidéo. Mais là, j'ai décidé de me sortir les doigts du cul. Et je vais me motiver. Je vais me lancer à 100% dans mes projets. Et m'investir à 100%. Et ça va commencer par un planning. Par un planning d'artiste. Et là, il faut que je me trouve un appartement. C'est la prochaine mission. C'est me trouver un appartement et l'équiper. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi je me sens confiant pour la suite. Genre, je pense que j'ai trouvé mon rythme de croisière et là je viens d'avoir une idée colossale. Genre, je vais enregistrer mes vidéos la semaine, toute une semaine. Toute une semaine, je vais enregistrer, je vais me poser, je vais vivre, je vais faire mes œuvres et tout. Je vais travailler sur mes projets, je vais écrire, je vais réécrire, je vais relire. Parce que là, il n'y a pas de deuxième chapitre de grosso modo Gaïa, projet Gaïa qui est sorti. Parce que j'avais pas d'inspiration. Enfin, si, j'avais inspiration. J'ai écrit trois chapitres en tout qui ont pas encore été partagés. Mais je les ai pas encore confirmés. Du coup, genre. Petit à petit, piano, piano. Et des fois, ça fait ça. On va essayer de capturer Barpo aussi, de trouver les cases et patati et d'avoir la belle. Ouais, là j'ai le relevé de photo. Mais c'est fou que je trouve pas avec la super canne. Donc là que j'allais vérifier si c'est avec la super canne que je l'obtiens. Sinon j'utilise Surf. Je pense pas que c'est avec la super canne. Pas avec moi si je l'ai avec moi, drague Kraken. Niveau 33, ouais, c'est là-bas. C'est les niveaux qu'a Welmer à peu près quand tu le trouves à l'état sauvage. Il est niveau 30. Alors je pense qu'avec ça, on peut en croiser. Ouais, j'aurais même profité pour explorer.
pour explorer la zone, voir s'il n'y a pas des petits secrets que je connaissais pas. Des objets ou quoi. Ouais, je pense qu'on trouve des Wellmer à l'état sauvage. Si je croise des mecs qui pendent, Wellmer, c'est pas un problème. Je savais pas que j'en avais déjà un. Je pense que je vais faire que du Visual Boy dorénavant avec mon ordinateur. Parce que la vérité, j'ai pas envie qu'il me claque entre les mains parce que j'en ai trop demandé. Je vous jure, j'ai pas envie de perdre mon ordinateur. Je pense que je vais commencer à mettre sous clé USB toutes mes infos. Non, il n'y a pas de petit secret, hein. C'est pas une grande zone d'eau ici. Non, je vais vérifier sur Poképédia. Ouais, donc je reviens d'une petite recherche. Ça dit pêche à la super canne. 20% de chance environ, hein, à chaque fois que j'ai lu. J'avais pas regardé sur quelle route exactement j'étais. Donc du coup c'est l'heure du chill à la super canne. J'espère qu'on va vite le trouver parce que la musique de surf elle prend la tête quand même. Elle fait mal au crâne la musique de surf. Là c'était compliqué, j'espère que c'est lui. Ah non, c'est un tentacruel niveau 16. Ah, pour ton arrogance, tu mérites le châtiment. Mais ce nid, il est pas en forme. On va se faire bolos par un tentacruel niveau 16. D'abord ce nid. Ah, je préfère. Ouais, je savais pas trop quoi faire sur Pokémon version Emerald. Même là, j'ai pas la foi de faire du farming d'XP bêtement dans la route Victoire. J'ai un peu rush à la fin du jeu. Et je me rends. Ah non, c'est vrai, avec ce super canne. Du coup, j'ai rush la fin du jeu et j'ai pas pensé au niveau de mes Pokémon. Et donc, du coup, je me retrouve avec des Pokémon niveau 45, 44 pour la ligue. Et j'aimerais bien qu'ils soient 50. Juste histoire d'être sûr. Par le trouver. Je vais voir si j'ai la méga canne. On a vu avec un méga canne, je trouve sur ici, sinon je vais la chercher. Je vais pas me. Je vais pas faire le mec buter. Les mecs à la méga canne, genre vers le haut, accès là-bas au bout. Il te parle de pêche. Essaye d'attraper les Pokémon au fond de la mer avec ta mère. Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Enquête de dresseur. Bonjour, aujourd'hui je suis du côté de la retenue. Nous sommes sur le terrain pour essayer de repérer les talents qui montent. Aujourd'hui, nous braquons. Notre objectif sur le dresseur Urian. Quelque chose à propos de ce dresseur a éveillé notre curiosité. Nous étions déjà battus contre Urian, mais nous pouvons vous jurer que sa technique s'est améliorée. Je savais que nous tenions un scoop quand nous avons repéré ce dresseur. La meilleure façon de déterminer la pose d'un dresseur est de. Enfin, la façon la plus rapide est de se battre. C'est comme ça que nous avons commencé notre enquête.
Nous sommes donc battus et j'en ai rien à foutre, mon frère. Je vous ai éclaté et vous avez fait, waouh, vous voulez dire quoi? Et j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai dit? Cruel. C'était un piège cette télé, fallait pas que je la lise, on a perdu du temps. Bon, j'imagine que je peux en capturer ici aussi. On va tester à la super canne et si je trouve pas la super conne, à la super canne, on utilise la méga. On va aller dans les chenaux. Au final, il me fait kiffer ce deck. Ça donne un charme à la robe. On va utiliser la méga canne. Ça augmente les chances. Je voulais pas trop fort, mais tant pis. Bah c'est compliqué, ça a duré longtemps. Parfait. Voilà, faiblir. Voilà, ça a frappé comme il faut. Premier coup. On va les couilles de ta description. Giant, comme le burger. Allez, c'est qui le prochain Pokémon qu'on allait capturer? Spring. Allez, je sais très bien où il est.
Des fois, il y a des sprites qui s'affichent. Dans Montagnard, les exodes sont à Mésina, je crois. Je sais plus. Parfait, un spring niveau 20. Ah putain, il tabasse, hein. Il arrive à le mettre KO, j'ai pas le mec à calculer mon coup. C'est pas un Nuzlocke. Bah, il aura suffisamment affaibli de toute façon. Bernard, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Pokédex, à qui le tour? Sabletooth, Spintagé, Armurgé, Cracknoagé. Les évolutions, Cacnéagé, Tiltongé, mon griffe, je crois que je peux pas avoir. Je peux pas avoir les deux si j'ai ces Viper. Ouais. C'est les Rocks, pareil, je peux pas l'avoir. Barlash. On peut l'avoir là-haut. Putain, il est capturable sur cette route. On va aller là où je sais qu'il est. Parce que là, ça éveille le doute en moi sur le fait qu'on aille le trouver. On va soigner l'intrépide Dynavolt. Je pense que bientôt je vais refaire une vidéo sur Paladin, ça me manque un peu de pas jouer. Ça va, ça tombe bien sur mon PC, c'est juste que j'avais envie de vivre des aventures. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais soif d'aventure et les jeux de GBA ils me l'ont donné, ils ont rassasié cette soif d'aventure. Waouh, je me suis embrouillé le cerveau. Je voulais faire haut, j'ai fait bas. Parfait. Il y a un chemin là-bas, je me demande où ça mène. Ça ressemble pas à ça dans mes souvenirs. Ah, il n'y a rien. C'est parti, on va utiliser Cache la méga canne.
Tu es dans la macarena, le pain. Il a l'avantage du chip. On va switcher sur LLDL. Parfait. Ça nous arrange. Le repos, ça va rendre la tâche compliquée. Oh, il en pleure. Il en pleure dans le moveset. Putain, Sonner, il se fait éclater le pauvre. Et là, faut le capturer avant qu'il utilise le repos. En fait, je sais pas comment l'appeler. Sylva. Mais ça me dit quelque chose, Sylva. Je sais plus d'où ça vient. Je sais pas. Karim. Ouais. C'est qui le prochain? Écrapince. Où est-ce qu'on le trouve, Écrapince? Qu'il y en a ici. Cache la méga. Il craint pas ce 28. Oh. Genre il l'a one shot Thunder. Oh comme il s'est déchaîné. Oh, c'est l'accumulation de tous ces pétages de gueule qu'il a eu. Là il s'est dit à lui je laisse pas passer.
Non, me dis pas que genre c'est limité. Il faut prier pour l'avoir et avoir encore de la chance. Elle est dans notre temps. On sait qu'on one shot. Ah, là c'est 35, à mon avis on va pas one shot à 35. Là on peut se lâcher. Bah allez, moi je valide. Pour. Et ça va, on progresse bien. Pince y pince. Sauvegarde déjà la progression. Là, c'est probablement le Pokémon. Là, c'est tout doudou. Allez, Barpo, on va essayer de le trouver. Mais d'abord, Starry. Starry, c'est où Starry? Un Gatcha. Non, c'est pas le Gatcha, ça. Mais comment ça s'appelle? Nucric. Je l'avais en tête, mais j'étais pas sûr de moi. J'avais pas envie de dire de bêtises. Ah, c'est pauvre sel en bas, c'était pas des nucléaires. Ici pour passer notre lune de miel, et on a vu un Pokémon du type dragon voler très haut dans le ciel. Il a vraiment des Pokémon comme ça, Owen. Pour notre lune de miel, on a l'intention de voir autant de Pokémon que possible. Alors j'imagine un peu ce qu'on a pu ressentir en ce Pokémon rare. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est là-bas. Oui, on va le faire avec la méga canne pour commencer. Mais je sais pas qui ça propose ici. On va le battre.
C'est tabac, c'est Pokémon, j'avais oublié. Mais c'est avec la super canne. Non, je me dis pas qu'il y a des Magikarp. Franchement, avec la super canne, il ne devrait pas y avoir de Magikarp. Je vais vérifier sur Poképédia tout simplement. Je vais vérifier sur Poképédia. Ok, c'est pêche à la méga canne avec 15% de chance. Ça va mettre du temps, je pense. Et j'ai plus grand chose à dire pour entretenir la vidéo. Et là, juste un mec qui traque un Starry, ça risque d'être chiant. Y a pas de temps, puis ça fait partie du jeu. Gameplay. Pokémon le jeu révolutionnaire. Un jeu qui a marqué des générations. Il n'y a que de Wellmer ici. Je suis en train de penser à la 9e génération, la Soleil et Lune. Elle était stylée quand même, en vrai. J'ai bien aimé la faire. J'avais fait Soleil, moi. J'ai appuyé sur le bouton, mais pas assez fort. Finir par l'avoir. Hein. Bon, déjà, c'est pas 1% comme avec Musiole, c'est déjà ça.
Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On va l'avoir, ce story. Putain de merde. On peut pas les racketter en jean. Allez, là je le sens bien. Là je le sens vraiment bien. C'est assez compliqué. Ah ben non, c'est ça, ouais, le mec qui casse les couilles. Oh putain de merde, je vais sauvegarder, on va arrêter l'épisode ici et on reprendra la prochaine fois quand j'aurai des choses à dire parce que là je vais pas juste utiliser ma canne à pêche et chercher Starry comme un teubé. On va sauvegarder là, tant pis, ou sinon on va regarder ce qu'il y a d'autre dans le Pokédex. Attendez, on a vu Barpo, on a dit plus tard Starry, Tropius sont là, c'est qui ici? Attendez, c'est qui de 151? Ok, c'est Eoko, 2% de chance en marchant. Au Mont Memoria, on va pas le faire. Pikachu. Pikachu, c'est dans le parc Safari, mais je sais plus dans quelle zone. Je sais pas si c'est accessible en vélo course. Et là, c'est d'autres Pokémon du parc Safari. J'ai pas envie d'aller faire un tour au parc Safari. Là, c'est que du parc Safari. Est-ce que je peux voir Scarabou? Ouais. Beaucoup de Pokémon du fond marin, je pense. Les deux évolutions de Coquipeur, Relicante. Et je sais pas. Ok, mais on va arrêter l'épisode ici, ça m'a gavé en vrai. Bref, sur ce, c'est Serrager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pour combler avant la Ligue Pokémon. Hein, les gars, on va la faire cette Ligue, hein, petit à petit. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.